Alléluia. Amen. Vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen à cette approche. Vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous comprenez. J'ai reçu une famille, c'est la famille de la mère, la belle-mère. Et la fille d'un de mes amis, pasteur, homme de Dieu, donc il venait, il fallait le recevoir, je crois, dans l'après-midi. Là. Oui, il faut dire qu'il y avait une remarque, c'est ça, vraiment, entre la rentrée des soubrés et le niveau, donc j'avais tous les problèmes à moment d'avoir accès à niveau. Il faut éliminer les étrangers. C'est pour ça que je n'ai pas resté sur le rendez-vous. Mais peut-être. C'est des gens qui viennent de très loin. Il fallait vraiment les attendre, les recevoir, les donner à manger, d'aller se reposer. C'est pour ça que je n'ai pas respecté le programme de 16h. Mais vous faites le. Voilà, parce que c'est étranger qui envoie mon nom. Donc, ils vont prendre la main. Pourquoi pas, je vais prier pour vous. Parce que moi, je fais tous les sacrifices pour être ici. Mais oui, mais ça pour d'autres personnes qui ne savent pas ça. À un moment donné, il faut rester ici, Il est plusieurs fois gâté. Donc, il est très bien. J'ai dit parmi vous ici dans le bâtard, il n'y a pas un cas qui a levé le doigt pour faire ma voiture. Non, il va me dire, non, c'est la vérité, j'ai fait trop de sacrifices. Moi, je vous délivre, puis je vous donne à manger. Je cherche les gens pour venir réhabiliter vos dispensaires. Depuis j'ai annoncé ça, il n'y a pas quelqu'un, même parmi vous. Même la chefferie, ils ne m'ont pas encore appelé pour dire que j'ai trouvé des gens pour venir réhabiliter le dispensaire. Il vient quand? Il va se passer comment? Il va aujourd'hui. Personne ne m'a posé encore la question. Donc je me dis, mais ce que j'ai fait la santé, c'est mauvais. Je vous ai délivré. Parce que la Bible donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à. On vous a délivré. Il y avait un calendrier de politique dans le dispensaire. Depuis 1995, le dispensaire était fermé. Il n'y a pas d'infirmier. C'est pas sûr que le calendrier, il y a un calendrier. On a déclaré qu'on a fait deux semaines après, j'ai arrêté l'infirmier. Mais l'infirmier n'est pas fonctionné. Tout est dégradé. Ici, les gens meurent, les femmes. Les femmes en fait meurent ici. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'infirmier. Donc, on a compris que. Il faut beaucoup aider la population. On a décidé d'aider tout le monde. Nous sommes en contact avec une ONG qui sera là très bientôt pour réhabiliter votre dispensaire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un de vos cas qui l'a cherché. Déjà, il y a des choses chères. Personne n'a approché après pour me demander quelqu'un. Ça s'est fait comment? Vous comprenez? Donc je me dis, mais je me trouve dans quel coin? Il y a bien un tout. Il y a des couronnes. J'ai l'impression que je suis parmi des gens qui sont ingrats. Oui, non. Ils ne connaissent pas les bienfaits. Ça fait plus mal, c'est comme ça. Je leur ai dit, j'ai fait un bilan depuis que je suis dans mon village. Vous ne faites plus de funérailles. C'est-à-dire, c'est des vieilles personnes. C'est quand ici, dans votre tradition, quand les vieilles personnes meurent, c'est fait là. Vous essayez de demander, on dit quand les vieilles personnes meurent, c'est une fête, c'est une joie. Vous n'êtes pas là. C'est ça ici. C'est une joie, vous fêtez, c'est pas ça. Hein? Ça, c'est normal. C'est un jeune homme. Pourquoi il a fait comme si vous l'avez été là? Nos parents ont signé ça, ils ont dit, les papiers pour aller partir. Maintenant, il y a l'homme qui a ouvert l'humanité. Les papiers, comme elle, la femme, ils ont peur de rentrer dans le monde. La criminalité spirituelle s'est arrêtée. Depuis que je suis là, leurs gens sont désactivés, ils ne mangent plus. Oui, quand même, ils sont arrivés. Donc on n'a plus d'argent dans les funérailles. Donc, là, on a plus d'argent. Ça devient une victoire. Vous n'avez jamais eu de dos. C'est depuis que je suis ici, vous avez eu un courage.
Mais je n'oublie pas aussi Job, le doyen, le juge. J'ai réfléchi juste bien dit, bon, moi j'ai des relations. C'est parce qu'on va pouvoir venir investir. Je suis allé vers le chef. Ouais. Aucun d'entre eux ne m'a pas approché. Il vient quand? Quelle est la date? Ça va se passer comment? C'est pas mon village. Bon, les femmes vont avoir l'argent. On a cherché, on a prié. Ils vont mettre l'argent à la disposition de 200 femmes. Ils vont faire leur commerce. Personne ne m'a appelé encore. Si je me suis dit, je vais prier. Comment va être la vocation à la banque? Vous comprenez? C'est par amour que je suis sien. Sinon, votre lac, là, ici, c'est devenu la nuit. Dis-le quoi là? La lagune. Tu peux pas venir d'être ici. Mon bras va en tiens, l'enfant là, là, il va tuer ça. La BM, il y en a comme tu j'ai peur. Traversé la vie. Il a dit, ça va. Il n'y a pas un cas dans le milieu de toi qu'on peut même pas se faire. Pour arranger la bande. Non, c'est pour montrer comment moi-même je le suis dans ma chair. Et j'ai fait trop de sacrifices pour vous. Je n'ai pas de vie. Si c'est trop là, c'est 4 millions pour réhabiliter ça. Il y a des suivis qui n'ont été affectés. Il n'est pas en fonction. C'est bizarre, tout ça, il faut tirer le courant jusqu'au sommet. Moi, j'ai décidé d'aider le village. Depuis la dernière fois, personne n'a dit la chefferie de ma approche. Vous posez la question, c'est lui depuis la centrale, même en contact avec eux, vous pouvez avec eux jusqu'aujourd'hui. C'est pas vous allez. Non. Mais il n'est pas trop. Amen. C'est ça, il dit, de vous à moi qui doit s'organiser, c'est vous qui me devez. Mais vous avez un ami, alors pour vous dire. Vos funérailles, c'est 1 million de millions de revenus. Quand il est matin, même après ça, il y a un kilo, personne n'est pas dans la vie. Moi, je vous dis la vérité, c'est qu'il est pas là. Vous allez faire mes affaires. Mais si vous regardez la vérité, pour
Et il y a pas de l'île, il y a de l'île. Moi, je fais mes affaires. Non, non, non. Mais je suis avec vous, je prie pour vous. Mais là, vous bien, je vous soutiens. Vous êtes obligé de vous aligner à mon programme. Il est là, avec vous. Laissez le côté sur vous. Quand vous lisez Galates 6, le verset 6, la vie de celui à qui on enseigne, ça fait part de tous les biens à celui qui l'enseigne. Donc, vous n'êtes pas moi, c'est vous qui me devez beaucoup de choses. Vous enseignez, vous m'instruisez d'abord. Ah, on vous mandait une chose qui est grave. D'autres m'ont vraiment attaché dans A, comme Kabri. On allait les défaire dans Ab, on t'agitait à l'aide. Plein d'enfants sorciers ici, plus de 100 enfants sorciers. Chacun avait programmé son papa pour manger. Oh, vous avez tout le monde. Quelqu'un est venu dire à mon fils, on dit maman, programmé, dit oui, il était mangé. Oh, non, ouais, ça va être un peu de. Il dit, mais pourquoi il dit, mais oui, est-ce qu'il a mis les manger? C'est moi, il est un peu de. Puis là, le papa pleure devant l'enfant. C'est pas comme le prophète, moi-même là, je suis prêt à te manger. Il faut que tu te ressors, tu craques, tu te il pose la raison, il dit, mais tu m'as laissé à ma maman. Amen. Amen. Nous avons délivré aux enfants. J'ai organisé à de Noël ici dans le village. Vous le savez très bien. J'ai donné 1000 jouets. J'en profite pour remercier Humain. J'ai un frère qui est en Italie. Qui vit à Milan. Voilà. Merci Humain qui a recueilli chez lui des jouets. Il a ramassé tous les jouets. Qui veut acheminer ça à Zarco. Voilà. Qui veut acheminer ça à Zarco pour faire des dons aux enfants de Zarco. Amen. Ça encore c'est une bénédiction. J'ai encore une soeur qui est à Paris. J'ai recueilli 3-4 valises. 4-5 valises plutôt. Des amis de 2, de 0, salut des bébés, 4-5 ans. Elle veut nous faire venir ça pour donner aux enfants. Parce que quand je pose avec eux, c'est vous dire que quand je quitte ici, j'ai une chaîne de télé qu'on appelle le YouTube. Et jusqu'à quand je travaille. Je travaille. Je ne pense pas à moi, je pense à vous. Je dis que vous n'allez pas de plus là. Nous on porte ça pour se saper. Il y a un monsieur qui est venu des États-Unis. Vous l'avez vu ici, il est venu à la vie. Il envoie les paires de tennis. Il dit ça, on va pas faire quoi. Il dit non, on prend ça pour se saper. Il n'y a pas d'argent. C'est tranquille. On prend ça pour janvier ça. Toi, tu vas pas ce sport, c'est ça. Tu vas mettre ce sport en fait. Non, c'est ça avec ça. Donc, on n'est pas ce sport ici. Allez, tu peux aussi. Amen. Alléluia. Donc, je ne mets pas pour vous. Mais, vous je ne mets pas pour vous. Hein. Je donne tout. Parce que Jésus-Christ n'a pas fait que je vive des gens. Il va donner aussi à manger. On peut croire que je donc je travaille ma tête. Si j'essaie de toi, sorcier qui vient. Vous n'êtes plus que tu retournes à faire réfléchir. Il faut qu'on te donne l'argent pour travailler. C'est ce travail que je suis en train de faire dans le secret. Les gens de Tokopro sont là. Oui. Vous nous nous voulons financer un projet, nous avons le cadeau de poser avec vous aujourd'hui. Nous voulons financer un projet des jeunes là-bas. Votre revenu là, c'est en banque. Vous pouvez travailler autour là. On va gloire à Dieu. On va financer un projet sous la jeunesse. On va vous soutenir. Nous avons le cadeau de changer avec vous. Par la grâce de Dieu, nous allons organiser un peu un concert là-bas. La cour viendra aussi là-bas. Nous allons organiser un concert. On va venir évangéliser. Les gens de toi qui viennent dans votre village. Il dit tous les hommes de Dieu ne sont pas sauvés. Il y a valeur pour toi. Il y a même là. Amen. Tout le monde peut venir, mais sauf lui. Si on est en ce moment ici. On a une époque qui promet. Pourquoi? Il est beau. Donc il va pour Allah, par la grâce de Dieu, va échanger. Et j'en profite pour dire que très bientôt nous serons à Rome.
Amen. Parce que nous sommes en pleine saison pluvieuse. Le programme de gloire est déjà fixé. Un matin, vous allez me voir gros. On va aller désactiver les dents des sorciers là-bas. Ils vont plus.